Le président du groupe United Bank for Africa, UBA, Tony Elumelu, affirme que la banque est en mission pour stimuler la croissance de l'Afrique, un pays à la fois. Du Sénégal à la République du Bénin, Tony Elumelu a rencontré des hauts responsables gouvernementaux, des acteurs du monde des affaires et des jeunes, reflétant ainsi sa passion. Au Sénégal, Elumelu a rencontré son Excellence Bassirou Diomaye Faye, avec qui il a partagé l'engagement de UBA à investir dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture et les infrastructures, jetant ainsi les bases d'un avenir meilleur. Il a également rencontré des entrepreneurs, mais ont bénéficié de financements initiaux via la fondation Tony Elumelu, défendant leur rôle en tant que moteur de la croissance africaine. En République du Bénin, il a rencontré des membres du gouvernement où il a discuté de l'autosuffisance énergétique et réaffirmé l'engagement de UBA à soutenir les petites entreprises, la colonne vertébrale du progrès en Afrique. Tout comme dans la région anglophone, UBA réalise des progrès en Afrique francophone et comme le dit toujours Elumelu, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Et en tant que Banque globale de l'Afrique, UBA montre la voie.